Chers téléspectateurs, 5 de pique célèbre le poète, peintre et sculpteur moderne Toufi Abdoulal. Né en 1938 à Acre, ville du littoral palestinien, et décédé à Beyrouth en 2002, Toufi Abdoulal peint depuis son enfance. Son professeur l'aide à tenir sa première exposition, l'enfant à 9 ans. Après l'épisode de la Nakba en 1948, lorsque plus de 700 000 Palestiniens sont expulsés de leurs terres, Toufi Abdoulal trouve refuge au Liban. Il y peint. Il expose au Proche et Moyen-Orient. Sa production est portée par un sentiment de responsabilité, nourri par la cause qu'il incarne et défend. Pour autant, son art affirme une liberté de création individuelle. En 1960, le peintre est membre fondateur de l'Association des artistes libanais. En 1969, il rejoint le syndicat des artistes plasticiens palestiniens. L'année suivante, il obtient le prix du musée sur Sock et le prix Lotus à Moscou. À partir de 1980, il est membre de l'Union arabe des artistes plasticiens et de la Société des écrivains palestiniens. Il perd progressivement la vue suite à une tentative d'exécution à Beyrouth en 1987. Toufi Abdoulal obtient le prix du ministère de la Culture en Syrie en 1991. En 2018, la Fondation Darren Nehmer à Beyrouth organise une rétrospective de son œuvre en collaboration avec le fils du peintre, Tareh Abdoulal. Le répertoire du peintre explore la femme, la maternité, l'enfance et l'univers marin, avec une référence palestinienne souvent présente en filigrane. Elle varie de l'oiseau à l'olivier. Elle décrit symboliquement une part de l'identité de son peuple d'origine. 5 de pique vous présente Chapitre vert. L'huile sur toile a été réalisée par Toufi Abdoulal en 1972. Le tableau appartient à la collection du ministère de la Culture au Liban. La fresque murale abstraite est une ode végétale. La nature morte lyrique s'exprime dans la thématique de la verticalité. Elle s'ouvre sur l'espace central de la toile par un infini lumineux sans profondeur. L'axe de construction présente la surface délimitant la couleur. Elle est travaillée sur un réseau de lignes aux dimensions variables, hors de toute référence au réel, sans l'espace figuratif liant traditionnellement l'unité au temps. La pratique rédactionnelle s'explique par le conflit politique subi par l'artiste. Son action technique place le tableau dans l'héritage de l'art informel. Le mouvement a été initié par le peintre Jean Fautrier dans les années 50 en France. L'intégration de Toufi Abdoulal au Liban en est la conséquence directe avec sa production. Elle le conduit à livrer une œuvre fédératrice durant l'âge d'or de Beyrouth. Elle suscite un sentiment d'appartenance chez le spectateur en livrant un labyrinthe géométrique qui révèle en l'homme un paysagiste de talent. La construction d'un monde libre est un acte de résistance majeur pour Toufi Abdoulal. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art entre création et engagement.